Ils vont s'énerver. Ils savaient trop longtemps qu'ils attendent. Toutes sans frontières est une association qui intervient dans le monde entier. On intervient auprès de populations qui sont confrontées à des difficultés diverses et variées, que ce soit des cas de crise économique, des cas de catastrophes naturelles, des cas de guerre. Essentiellement, on intervient auprès de soit d'enfants des rues, soit de personnes déplacées, notamment dans des camps de réfugiés. Il y a 20 ans, à l'origine de l'association, l'idée était d'amener du rire dans toutes les conditions possibles, les conditions possibles aussi extrêmes soient-elles. Je suis bénévole depuis 2005 et je pars chaque année avec des équipes là-bas. Et puis ce qu'on essaye de faire, c'est de faire évoluer le projet. C'est-à-dire qu'au départ, on part juste l'équipe française et puis au fur et à mesure, on intègre des comédiens pour qu'un jour, nous, on puisse partir et qu'eux, ils continuent la mission. Ce qui caractérise l'action de clown au bout de 20 ans, c'est des choses qui se maintiennent, comme les valeurs. Les valeurs autour du rire partagé, autour du sourire que l'on porte à travers des spectacles. On fait des stages, on fait des ateliers, on fait des parades, on fait plein de choses. On donne énormément de matériaux. Et pour que les artistes là-bas puissent prendre le relais. Enfin, c'est super. L'association est composée uniquement de bénévoles. Tous les artistes et les logisticiens qui interviennent sont des bénévoles, des gens qui prennent sur leur temps de congé, sur leur temps de vacances, pour intervenir sur ces terrains. En fait, c'est mettre mon métier au service d'une cause que je crois juste. Clowns sans frontières, pour moi, c'est cultiver l'espoir, c'est libérer le rire. On est très fiers d'avoir cette prime parce que c'est une vraie reconnaissance du travail. On vit grâce aux dons et aussi grâce à la reconnaissance des autres. Chaque mission a ses images, hein. Mais les images, c'est la joie des enfants quand on arrive déjà sur place. Parce qu'il y a le spectacle, mais il y a tout ce qui est autour aussi qui est une joie. Des images, il y en a des milliers. La population palestinienne a moins de 16 ans.